Salut à tous, c'était ZB et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA Online. Alors avant de commencer, je voulais faire une grosse dédicace à Ranger. Donc voilà Ranger qui m'a prêté son compte. Donc pour ceux qui savent pas qui c'est pratiquement celui qui m'aide à faire toutes mes vidéos de glitch sur GTA. Donc voilà une grosse dédicace à lui, il m'a prêté son compte parce que voilà j'ai été banni malheureusement de GTA. Donc carrément ban console, hein, j'ai dû obligé de prendre une autre console et de prendre le compte donc de Ranger. Voilà, sa chaîne sera en annotation maintenant. Allez tous vous abonner à lui, c'est grâce à lui que je peux reprendre les vidéos aujourd'hui. Donc aussi, n'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et pourquoi pas vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir que notre vidéo donc ont du soutien. Donc aussi, je vous invite à aller liker ma page Facebook et pourquoi pas m'ajouter si vous voulez discuter avec moi donc ou m'aider à faire des glitches. Je réponds tout le... Franchement, j'essaie de répondre à tout le monde et je discute souvent avec mes abonnés. Donc voilà, tout sera dans la description. Donc on va passer au glitch. Donc ce qu'il faudra faire, donc c'est déjà lancer l'éditeur. Donc vous devrez être dans une session en ligne pour commencer. Vous allez lancer l'éditeur. Donc ensuite vous allez choisir course terrestre. Donc ensuite quand le menu de la course terrestre a chargé, vous allez tout de suite faire start et aller au même endroit que moi dans la map. Donc au bout de cette longue ligne, donc c'est au Mont Chiliad. Donc vous allez tout de suite vous téléporter ici. Donc ensuite vous allez voir que vous allez donc voir ce toit. Et il va falloir placer un point d'apparition. Donc déjà il n'y aura pas beaucoup d'endroits où vous allez pouvoir placer le 2 points. Donc je vous conseille de le mettre donc sous le, on va dire sous ce toit là. Donc c'est l'endroit le plus simple pour le placer. Donc je vous conseille de le mettre ici. Voilà, ensuite vous devrez placer des points, donc des checkpoints. Donc je vous conseille d'en mettre un en haut et après donc de remettre la map et d'aller au même endroit que moi dans la map et là d'en mettre 3 ou 4. Donc voilà, vous allez déjà commencer par placer un point, donc je vous conseille de le mettre au même endroit que moi, parce que sinon vous allez bien galérer pour trouver l'endroit. Voilà, donc déjà, il faut bien mettre la course sur 2 joueurs, sinon les points seront trop gros et vous pourrez pas placer aucun point en haut. Donc voilà, vous mettez bien sur 2 joueurs, vous placez un point en haut. Aussi, ce qu'il faudra faire, c'est bien mettre la course sur moto, parce que oui, j'ai oublié de le faire dans la vidéo et je l'ai fait au dernier moment, vous verrez. Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre le dernier moment, vous pouvez mettre moto dès le début. Hein. Voilà. Donc vous placez un point en haut et après vous vous téléportez au même endroit que moi dans la map, vous en placez quelques-uns aussi en bas. Et maintenant ce qu'il va falloir faire à partir d'ici, donc c'est faire start et donc faire croix sur un point jaune, n'importe lequel. Et donc ensuite ça va déjà vous téléporter et ensuite il va falloir faire select pour changer de vue. Et là vous allez apparaître avec un véhicule, donc c'est pour ça que je vous ai dit de mettre moto avant, parce que là j'ai apparu avec une voiture, mais normalement vous ce sera une moto. Et il faut bien vérifier que vous êtes bien au milieu du point jaune, donc à l'intérieur. Et maintenant, là, d'ici, vous pourrez faire tester la course. Donc maintenant, voilà, ça va tester la course. Et là, vous pourrez voir, vous ne pourrez plus tomber de votre moto. En fait, vous allez être comme collé à votre moto. Et voilà, vous pourrez faire tous les stunts que vous avez envie de faire. Des fois, ça va être super marrant, vous allez bien rebondir et tout. Voilà, vous pourrez vraiment pas tomber. Tant que votre moto n'explose pas, bah, vous pouvez pas tomber de votre moto, donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, comme vous voyez sur la vidéo, vous pouvez vraiment pas tomber. Voilà, j'espère que ce glitch vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, laissez un like et passez voir ma chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!